Mon arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta au cours d'un voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant par la pluie et le beau temps. Lorsque les chevaux péniblement avaient fait 30 kilomètres, à l'hostellerie du Cheval Blanc, on passait la nuit pour s'en remettre. Pour aller de Paris à Tours, il fallait bien au moins 8 jours. Évidemment, ça donnait le temps de se connaître amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carreton, voyageur toujours content. Lorsque la côte était dure, il descendait de voiture et poussait allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le beau monsieur faisait les 12 yeux à la belle, tandis que le curé se disait: oh, ça y est, ces deux-là, je vais les marier. La petite diligence sur les beaux chemins de France arriva enfin à Tours, et c'est tout le roman d'amour. C'est toujours pareil en France, mis à part les diligences. Quand on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager.